n'y a plus rien qui puisse me déranger. Ouh, je sais que je peux y arriver. Oh, qui essayes-tu de convaincre? Tu as eu toute la journée et tu ne m'as toujours pas peinte. Je suis une toile vierge d'un blanc immaculé. Je n'ai pas touché cette toile, je ne l'ai même pas effleurée. Tu n'as rien fait du tout. Ce n'est pas vrai. Elle a fait des choix de couleurs très discutables. Qui va s'embêter à mélanger des couleurs pour faire du taupe intentionnellement? Tu as perdu ton amour de la peinture. Est-ce qu'elle aimait vraiment ça? J'en ai assez vu, range-moi. Tu ne me mérites pas. Hé, hey, bravo, on a réussi. On a enlevé la tache de ketchup qui était incrustée sur la nappe. On a nettoyé toutes les plinthes et on a resserré toutes les poignées des tiroirs de la cuisine. Rien ne pourra plus empêcher maman de peindre. J'arrive toujours pas à croire que tu m'as interdit de mettre à profit mon talent brut de muse. C'est comme si t'avais accès à un coffre-fort et que tu te contentais de ramasser une pièce dans le caniveau. Oui, je vaux de l'or, compris? De l'or. Oui, oui, tu vaux de l'or. C'était quoi ce bruit? Maman? Où tu vas comme ça? J'ai été appelée d'urgence pour un travail et l'argent me servira à racheter de la peinture. Enfin bref, je me sens... Bisous. Je crois qu'elle ne me dit pas tout. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très bizarre, Scratch. Je suis d'accord, c'est très étrange. On dirait presque qu'elle n'a pas vraiment envie de... me peindre. Quoi? Oh, toi au moins tu ne me jugeras pas. Enfin, j'espère. Mais non, pas du tout. Je serai toujours de ton côté, Sharon. Dévore-moi sans aucune culpabilité. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un menu avec des frites? Je vais tout expliquer. Je croyais que tu devais aller travailler. Mais oui, ça c'est mon travail. Et là, je suis en pause déjeuner. Je l'ai prise avant de commencer à travailler en fait. Ce qui n'est pas logique du tout. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que le travail consiste à tester le nouveau burger super succulentastique? Il a un goût délicieux de... bœuf. Tu ne m'as toujours pas répondu pour les frites. Maman, arrête! On te soutient! On veut seulement t'aider! Ne me laisse pas seule avec cette chose! Mais ça a toujours été ta passion, maman. Pourquoi tu ne veux plus peindre? Tu ne comprends pas. J'ai essayé toute la journée et... Eh bien, regarde, voilà le résultat. Maman, où est passé le chef-d'œuvre sur lequel tu as travaillé toute la journée? Molly, c'est évident. Tu vois bien qu'elle a brillamment utilisé l'espace négatif pour représenter le vaste néant qui est... Désolée, mais là, je suis à court d'arguments. On t'écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trop peur, je n'arrive pas à commencer. T'as peur? J'ai toujours trouvé des excuses pour expliquer pourquoi je ne vivais pas de mon art. Les cours, les enfants, le déménagement, le travail. Mais maintenant que je suis enfin libre de me concentrer sur ma passion, je me demande si j'ai suffisamment de talent.